Yo tout le monde, c'est le Kizae et bienvenue pour ce sixième épisode de Secret of Evermore. Et on commence bien parce que l'attaque du chien monte niveau 2. C'est-à-dire qu'enfin il pourra attaquer avec plus de dégâts. C'est parfait. Comment ça va tout le monde? Moi ça va plutôt bien, écoutez. On est jeudi 27 juin 2013. Et que dire, que je pars bientôt en vacances. En effet, je pars dimanche même une petite semaine en Espagne, mais bon, je vous ferai une vidéo annonçant mon départ et vous aurez des vidéos pendant la semaine où je ne serai pas là. Donc, la dernière fois, on avait battu Maralg le serpent dans les marais, on avait obtenu la première lévitation que je viens d'utiliser et le problème c'est que je n'ai plus de poivron pour l'instant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au marais en chercher, tout simplement. On va retourner voir notre ami Aero. Évidemment, si le jeu ne plante pas, ça serait cool. Voilà. Donc je disais, on va retourner, salaud, au marais voir notre ami Aero. Ah bah putain, ça commence bien. est-ce que l'attaque du chien est quand même... Oui, elle est quand même montée niveau 2, parce que j'ai fait une safe state juste après qu'elle soit montée. Donc on va retourner voir Aero au marais pour récupérer un poivron, parce que oui, je vais en avoir besoin pour le prochain donjon. Et Okami atteint le niveau 10. C'est nickel tout ça. Apparemment, bon, personne n'a apparemment fait la remarque par rapport au nom du chien en japonais. Ou alors j'ai pas fait gaffe dans les commentaires, mais il me semble pas que personne n'ait rien dit par rapport au nom d'Okami. Et on retrouve ces saloperies de raptors de merde qui vont encore nous faire chier plus d'une fois. Allez, punch it Okami, attaque! Voilà, maintenant que tu as monté ton niveau d'attaque, tu devrais m'aider plus que ça. Vaudrait mieux que je me soigne au cas où, parce que je sens que les raptors vont me défoncer. Bon, comme vous avez pu le voir aussi, j'ai enlevé la formule plus acide. Parce que je vais pas refaire la même connerie que j'ai faite dans le combat contre Maralg. Hein, le fait d'utiliser toutes les portions d'eau pour au final se retrouver sans pouvoir se soigner. J'avoue que c'est un peu con quand même. J'avoue que c'est même très con. Donc non. Je ne referai pas la même erreur deux fois de suite. Hop là. Bon, il n'y a plus qu'à retourner voir Aero maintenant. Ça va être le plus chiant en fait. Bon, par contre, je vous promets que ce sera le seul et unique aller-retour que je ferai. Après, on n'en fera plus. Alors, trouve un pétale, parfait. Je vais me soigner quand même avec, sait-on jamais. Économisons plutôt la magie. C'est génial, je récupère un pétale que je viens de perdre. C'est génial ça. Toi. La petite grenouille, dégage. Ouh, c'est très dangereux ce que je fais, de passer les zones sans faire des safe states, c'est très dangereux. Étant donné les gros bugs qu'il y a sur cette run, comme vous êtes habitué depuis un moment maintenant. Voilà. Si j'arrive à monter la lance encore d'un niveau, ce serait parfait. Comme ça, je peux faire des putains de dégâts de psychopathe. Ouais, forcément, je loupe ma cible. 125. Ah, maintenant que le chien a une attaque de barbare, maintenant que le chien a monté son attaque au niveau supérieur, c'est un gros bourrin quoi. Il défonce tout sur son passage. Je sais pas pourquoi je fais ça, surtout qu'il n'y a pas d'ennemi à côté. Mais bon, c'est pas grave. J'aime bien viser le vide. Oui, c'était une passion chez moi. Viser le vide. Le vide, c'est cool. Le vide, c'est le bien. Tac, salaud. Alors, où est-ce que c'était déjà? Ah, saloperie.
Normalement c'est là. Ouais c'est là, c'est la partie en F. Le fameux F. Voilà, moins 1. Justement, le fait de monter ma lance au niveau supérieur me permettra en fait de faire un tir qui pourra toujours, qui touchera tous les ennemis en ligne droite. Tous les ennemis en ligne droite seront à ma santé des dégâts, peu importe lesquels. Tant qu'il se trouve dans la trajectoire de ma lance, il sera à ma santé des dégâts. Ah, donc là encore une fois, va falloir battre le crapaud au nord. Ouais. Ah non, merde, mais non, je suis con. Justement, j'ai débloqué le passage, donc il n'y a plus besoin de faire ça. Bon, là, l'araignée, on tue dégage. Bon, maintenant, franchement, le chien, c'est une grosse tuerie, hein, maintenant. Voilà, on a sauf cet été, c'est nickel. Allez, on retourne voir Aero. Rendez-moi ton poivron. Bonjour, le guerrier. Vous n'avez pas de poivron? Et voilà. Voulez-vous vous délasser? Ah, écoute, c'est proposé si gentiment et c'est gratuit en plus. Alors pourquoi pas, moi je dis. Hein, un petit soin gratuit, ça fait pas de mal. Voilà, j'ai enregistré vos exploits. Yes, mister. Merci bien. Allez, maintenant on peut y aller, on peut commencer véritablement. Et enfin, le volcan. Il était temps après tout. Alors c'est bon, c'est pas un donjon très long et très difficile. Mais il y a une formule alchimique qui est un petit peu cachée. Je vais essayer, de la retrouver parce que, à vrai dire, je ne m'en souviens même plus très bien où elle est. Juste pour voir. Bon. Pouvoir des armes. 258, ah quand même, ça va. C'est bientôt au niveau max. Nickel. Oh, Camille, qu'est-ce qui t'arrive? Le truc c'est ça, c'est que bon, comme je vous l'ai dit, pour monter, comme vous le savez maintenant, pour monter une arme de level, faut obligatoirement tuer un ennemi avec cette arme. Sinon, elle gagne pas d'XP. Oui, oui, je suis passé par là tout à l'heure. Vas-y, attaque. Le truc chiant avec ces crapauds, c'est qu'ils ont une esquive de malade. Ils ont un gros taux d'esquive. Du coup, pour les toucher, c'est assez compliqué. Bon, on va y aller tranquillou. Oh putain. Bon, heureusement, mon héros, je l'ai placé un peu plus quand même en parade qu'en attaque. Du coup, il peut quand même parer quelques coups ennemis. Ah, bien joué. Bon, je sais toucher. Non, vas-y, ça n'a pas réussi. C'est con. J'aurais pu pourtant. Voilà. Oh, allez, vas-y, quoi. Merci pour le raccourci. Hop là. Et non, c'est moi qui l'aurais. Ça va, en fait. Et bizarrement, le retour m'a l'air toujours plus facile que l'aller. Je sais pas pourquoi. Ah là là, Panchito. Ah oh, putain, Panchito. J'ai trop l'habitude du vieux Let's Play. C'est un truc de fou, quoi. Qu'ils aient atteint niveau 11. Ah oh, bah génial. Nickel, tout ça. Voilà, on passe à la zone suivante. Alors, le raptor, on va essayer de le dégager. Voilà, comme ça il nous emmerdera plus. Allez. Bon, tu te fais celle-là, je me fais celle du haut. Bon, au pire, si on a vraiment qui veulent voir comment sont les attaques des autres armes au niveau supérieur, bah, dites-le dans les commentaires et au pire, j'entraînerai les armes pour vous montrer bah, comment est l'animation du héros quand il attaque avec les armes au niveau max. Parce que personnellement, moi je compte utiliser essentiellement la lance hein, comme arme. Bon, bien évidemment, la lance, enfin les lances, les différentes lances, on les obtient pas toutes à la chaîne, hein, on s'obtient après un moment. Donc forcément qu'au bout d'un moment je serai forcé d'utiliser les haches, les épées que j'obtiendrai au fur et à mesure, hein, ça c'est clair. Mais voilà, je le répète, si on a encore qui veulent que j'utilise les autres armes avec leurs autres, avec leur animation et tout, bah qu'ils me le disent. Donc voilà, j'ai pris un poivron exprès parce que au moins, parce que dedans il me semble qu'il en faut au moins un pour déverrouiller un autre accès.
Et c'est pour ça que je l'ai pris, que je suis retourné donc voir Aero. Alors, normalement, voilà, les aspics, même s'ils sont, normalement, enfin, géographiquement, ils sont en hauteur, hein, comparé à moi, j'arrive quand même à les toucher. Mais mon chien, lui, ne peut pas. Mais moi, je peux. J'ai quand même placé mon chien, voilà, un peu en recherche aussi. Parce qu'il faut que tu me il faut quand même que tu me trouves des ingrédients, hein, mine de rien. Et voilà, nous sommes donc au cœur du volcan, où il y a plein d'aspics. Non, non, c'est pas des vipères aspics, Fabien, c'est des aspics tout court. Et merde, mon chien a raté son attaque, ça c'est pas cool. Alors attention quand même, j'ai un petit moustique de merde qui me passe devant le nez. Ils sont résistants quand même, ils sont résistants. Ils ont pas mal de vie, les aspics, je crois qu'ils ont 130, 150 HP. Alors oui, j'ai vu la pierre bloquée, mais normalement il faut d'abord passer par ici. Bon déjà, hop, s'en sert, trouve de l'eau, nickel. Ah, encore un autre aspic. Bon alors toi tu l'as attaqué, je vais le finir. Bah non, c'est pas moi qui le finirai, ça sera toi, logiquement. Logiquement c'est toi qui va te finir. Ah non, même pas. Oh là là, qu'est-ce que je suis mauvais. Ça vient, tu me défends. Enfin, non, pas trop. Bon, au moins, je l'ai eu. Hop, un petit guérison. Oh, disons qu'au moins, je les monte de level, mais magique, quoi, c'est cool. Bon, le aspic du haut, je peux pas le toucher. On va essayer d'éliminer quand même celui du bas. Voilà, ça me fait toujours de l'XP. Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce que je peux encore faire? Bon. Trouve de l'argile. Ok. Allez, viens, 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 viens mon petit, viens, viens, viens. Allez. Voilà. Bon, ça me fait de l'XP, hein, tout comme d'hab. Alors, je crois qu'il faut vraiment passer par là d'abord. Pour... Alors, normalement, je débloque un poivron, si j'ai bonne mémoire. Ah, parce que t'as porté plus de poivrons. Ah bon. Bon, ok. Mais voilà, au moins ça m'en permet d'en économiser un. Ah non, mais je crois savoir en fait pourquoi. Parce que plus tard dans le jeu, on va avoir besoin du poivron. Enfin, de au moins un poivron. Et justement, le fait d'en avoir au moins gardé un, enfin d'en avoir déjà pris un en réserve, ça me permettra justement bah, d'éviter de devoir en acheter et tout ça quoi. Ouais, ouais, je crois que c'est ça. Le truc chiant, c'est qu'au début, les poivrons, on peut en porter qu'un seul à la fois. Ça, c'est un peu con d'ailleurs. Mais après, on peut en porter plein. Ou alors, on peut en porter qu'une fois. Ou alors, il me semble qu'on peut en porter qu'un à la fois. Mais qu'on peut retourner chez Aero en chercher à l'infini, quoi. Mais bon, faire les allers-retours à chaque fois chez Aero, bon, c'est sympa 2 minutes, mais après, c'est relou, quoi. Enfin, moi, je sais pas vous, mais moi, ça me gaverait de retourner voir Aero à chaque fois que j'ai besoin d'un poivron, quoi. Alors... Ah, dommage, c'est pas une attaque combinée. C'est dommage, ça aurait pu faire de lourds dégâts au aspic. Voilà, nickel. Bon, alors... Toi, voilà, tu restes là dans ton coin. Parfait, ça je peux t'allumer à distance. Ouais, non, mais si par contre tu dégages de l'écran, ça va pas le faire. Hein. Est-ce que c'est le... Non, ça a pas l'air d'être le même, visiblement. Voilà. Alors, je vais pas utiliser tout de suite la lévitation. On va un peu explorer. Normalement, il y a moyen d'obtenir un autre poivron pas loin. Et si vraiment il faut que j'utilise, bon, bah, j'utilise, mais... Disons que dans la mesure du possible, si je peux éviter de gaspiller des poivrons inutilement, autant le faire. Okami, tu prends un peu cher quand même. Je crois que j'ai même pas de croquettes pour te soigner. Hein. Donc si tu me claques au bout des doigts, je ne pourrai malheureusement pas te sauver. Donc faudra que je fasse gaffe, surtout avec les ingrédients, surtout la guérison. Ah, bah, un pétale, parfait. Ensuite, qu'est-ce que tu me trouves? De la cendre. Là y a rien. Je continue juste par là. Ah, tu m'as trouvé un ingrédient, je crois. Alors, de l'huile, nickel.
des racines, ça c'est parfait. Pour la formule de soins. Alors là, hop. Pas besoin de se faire chier. On pousse le rocher pour créer un passage. Ouais, non mais ça sert à rien, c'est ça le problème. Alors là, il me détecte un autre ingrédient. Mais je crois que par en haut, il y avait un autre truc à faire par là, normalement. Il n'y a bien pas un chef à spic à battre. Ah non, à moins que ça ne s'arrive pas tout de suite. Ouais, désolé, hein, je redécouvre, mais c'est vrai que cette partie du volcan, c'est un peu la partie où je galère. Impossible de porter plus de poivrons, hein, donc. Là. Là, lévitation. Hop, ça ne tombe jamais. C'est jamais quand un bug peut advenir. Faites arriver. Alors là, il me détecte un ingrédient. Voyons voir où ça. Là? Ah ouais, là ça rend bien joué. Est-ce qu'il va aller l'attaquer? Oui. Non. Non, il n'y va plus. Alors viens là, le aspic. Voilà. Ensuite, tu m'as détecté un autre ingrédient, hein, par ici. De l'eau. C'est étonnant qu'il y ait de l'eau encore. Dans cet endroit volcanique, ça m'étonne qu'il y ait de l'eau quand même. Bon, fail. Fail commun. Mais c'est génial. Normalement il y a un aspic, alors à part s'il faut... Ouh. Oh oui, bah voilà, là vous avez vu l'attaque combinée, hein, 153 de dégâts. Le mob a mis quelques secondes à crever quand même. Ah, je peux lui porter de pétales, bon. Je vais quand même, on va dire, préserver les magies de soins. Oh putain. Ouais, parce qu'il me semble vraiment qu'il y a un chef aspic à battre pas loin. Et justement, lui nous redonne encore un coup de poivron. Là, hop, ça crée un passage. Bien joué, Okami. Parce que j'ai pas envie d'utiliser tout de suite les poivrons, quoi. Faut regarder un peu, faut observer. 83, bon. Dommage. Hop, 26. Tac, tac. Tac, Okami. Bon, mon père qui garde le match, qui s'est. Gueule, hein. Ouf, je sais pas, moi je suis pas trop fan de foot et compagnie, mais bon. ça fait toujours rire comment il gueule. Oh putain, plus chier, machin, tous les midules là. Alors, est-ce que c'est pas par là justement ce que je parle? Justement, je crois qu'il faut aller par là pour faire le tour. Justement que la formule vitesse elle se trouve dans un passage secret et par là, mais alors je ne sais plus trop où malheureusement. Oh, putain, des aspics. Parce que oui, il y a, comme je l'ai dit en début de vidéo il y a quelques instants, il y a une formule d'alchimie qui est disponible ici dans le volcan, et malheureusement si vous la loupez vous ne pouvez plus l'avoir après, ce qui serait un peu con parce que à mon avis si j'ai bonne mémoire c'est une formule plutôt utile. Okami, niveau 11, parfait. En même temps, j'XP un peu, c'est pas plus mal. Allez, va attaquer. Attaque-le. Non, je sais pas ce que tu fais. Tu fais le tour de la salle. Bon, maintenant, dilemme, gauche-droite. J'ai pris à gauche, on va voir. Je sais plus du tout où est ce fichu passage secret. Je sais que c'est par là. Enfin, je sais que c'est dans cette zone-là, par là autour. Mais je sais pas du tout où c'est. On va le trouver, hein, de toute façon. Non, je dis ça parce que je sais aussi que justement la personne qui nous donne la formule permet de se regarder la partie également. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut savoir où elle est encore. Alors, là, c'est un peu la salle, on va dire une grande salle. Alors, justement, est-ce que ce serait pas... Ouh, joli combo. Alors, justement, est-ce que ce serait pas par là, du coup? Non, c'est pas par là. Normalement c'est dans un recoin un peu caché. Alors c'est peut-être pas là. Je sais plus où c'est, quoi. Je sais que c'est par là, mais je ne sais plus où c'est. Et ça me ferait vraiment chier de louper la formule là. Ouais, je sais vraiment plus par où c'est, mais je crois bien que c'est par là. Alors juste un instant, on va juste retourner en arrière 30 secondes. Alors non, pas ici. Normalement c'est
Voilà, c'est là. Il y avait une bifurcation. Donc on va partir vers là. Et je crois que c'est... Voilà. Ah, voilà. Il suffisait de chercher un petit peu. Bon allez, hop, guérison. Ça, je vais récupérer un peu d'eau. Voilà. Comment avez-vous trouvé? C'est ma cachette. Nous voulons en découdre avec les aspects qu'il reproduit sur le monde. Ah mince, c'était moi. C'est pas... Putain. Vous êtes deux héros d'après ce que je vois. Laissez-moi vous donner ce de quoi affronter le futur. C'est la formule vitesse. Elle augmentera votre agilité au cours des combats. Mélangez une cire et deux os. Et voilà, le tour est joué. Vitesse. Augmente l'agilité de la cible. J'enregistre vos exploits. Bah, écoute, volontiers une petite sauvegarde. C'est pas de refus. Non. Ouais, je vais me sauvegarder la partie encore une fois. Nickel. Vitesse alors. Alors justement, l'agilité. Je vais voir ce que ça fait exactement. Parce que, ok, ça augmente l'agilité pendant les combats, mais c'est-à-dire quoi exactement? Parce que l'agilité. Ah, ça serait l'esquive et tout. Ah, pour plus d'esquive peut-être. Ah, ça peut être pas mal si c'est ça. Ça peut être sympa. Ah ouais, apparemment ça a l'air d'être d'augmenter les esquives. Alors moi je pensais plutôt à une formule qui augmenterait la vitesse de recharge de la barre, mais je me disais, mais non, c'est pas possible parce que je sais que beaucoup plus tard dans le jeu il y en a une. Je me disais, c'était un peu étrange qu'ils nous donnent tout de suite déjà la formule, enfin une formule pour ça, alors que je sais que plus tard dans le jeu, il y a justement la formule qui nous donne ça, cet effet. Ok, bon bah voilà, parfait. On a récupéré la formule vitesse, bon, je pense pas à m'en servir tout le temps, étant donné que ça consomme quand même de l'eau. L'eau, j'en ai besoin pour guérison, donc je compte pas m'en servir tout le temps, mais ça peut être utile, Si l'agilité correspond bien à l'esquive, si ça correspond bel et bien à l'esquive, ça peut être bel et bien utile. Du coup, je devrais avoir ma lance bientôt niveau 3, moi. 2,79, 2,79. Ah, ça va, ça monte petit à petit, c'est cool. Bon, l'attaque de mon chien aussi monte petit à petit. Alors, ah, je l'ai quand même touché dans le coin. Je ne savais même pas totalement où il était, mais je l'ai quand même eu. Mais évidemment, moi, je prends quand même un peu plus de temps pour le tuer que mon chien. Hop. Alors là, c'est la grosse salle. Il y a pas mal d'aspic. Et voilà, il faut aller à droite. Et oui, on retourne dans la salle, enfin vers l'entrée du donjon. Et justement, normalement, il me semble que, en suivant le chemin, je devrais affronter un méga aspic. Vous savez, les aspics de couleur grise. Et justement, lui me donnera encore un poivron, normalement. Alors... Je crois que c'est toi. Non, c'est même pas toi que j'avais attaqué en premier. C'est pas grave. Ils ont niveau 12. Yeah. Ah, zut. Bon, bah, c'est mon chien qui va se le faire, du coup. Ouais. T'as du bol. Allez, deuxième petite région comme ça. Je sais ce que vous allez me dire, c'est chiant, les safe states, machin, mais j'ai vraiment pas le choix. Comme vous avez vu au début de vidéo, ça bug, ça peut bugger à n'importe quel endroit, et malheureusement ça ne prévient pas. Donc du coup, si je me tape genre une demi-heure de... Si genre pendant une demi-heure ça va tout bien, puis qu'après ça me plante, j'allais avoir mal, parce que j'aurais pas fait une save, du coup, il faudrait que je me retape tout le truc. Et là, ça va vraiment me casser les couilles par contre. Voilà le méga aspic. Bon, il se balade un petit peu. Non, il faisait en découdre avec nous. Il arrive! Non! Mais je n'ai pas peur. J'ai mes formules d'alchimie. Ouais, bah j'en ai plus en fait. Ah, j'en ai plus! Bon, on va utiliser le feu. Tant qu'à faire. Tant qu'à level up les magies. Autant utiliser le feu. Tu vas rester mignon, toi, mon petit aspic. Ouh, violent. Vilain pas beau. Bon, bref.
Allez, il bug là-bas, faut en profiter. Ouais, mais ça sert à rien d'attaquer s'il est pas là, quoi. Et on reçoit un poivron. Voilà, nickel. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Tu détectes un ingrédient. Où ça? S'il est en contrebas, je peux pas aller le récupérer, hein, malheureusement. Alors, par là, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Bon, bah, du coup, faut se refaire tout le tour, hein. Eh oui, c'est nécessaire. Mais, logiquement, maintenant... Voilà, j'ai deux lévitations. Parce que j'ai deux poivrons. Allez. Bon, du coup, je pense que maintenant, vu que j'ai plus la limite, le let's play me durera quand même beaucoup moins de temps hein, que l'original que j'avais fait. Étant donné que là, je me rappelle, pour cet épisode-là, je devais en être aux épisodes... Ouais, quoi, 9-10 9 ou 10 alors que là, on est... alors que là, j'en suis au 6ème. Vous voyez qu'avec la limite... Enfin, sans la limite, je veux dire, ça passe quand même beaucoup mieux. Bon, allez. Attendez. Juste 2 secondes. Ouais, 2,82. Mon arme est bientôt au niveau max. Bon, on va quand même se faire tous les ennemis qu'on rencontre. Histoire au moins de level up la lance, peut-être avant le combat contre le boss, ça pourrait être sympa. Bon, c'est pas une nécessité, mais bon. Disons que ça m'assurerait une plus grande victoire face au boss, qui est quand même dur. Il est quand même pas facile, hein. Il faut quand même se préparer un petit peu pour affronter le boss que je vais aller affronter. Ce qui il est chiant. Il est pas ultra dur, mais il fait mal. Il fait quand même très mal. Si vous avez pas les bonnes magies et le bon level, et surtout si vous avez pas entraîné vos armes, vous allez sentir passer le boss. Vous allez sentir passer, croyez-moi. Moi, quand j'étais petit, c'est un des boss qui me faisait vraiment chier. J'arrivais vraiment pas à le tuer. Et pourtant, qu'est-ce qu'après, le jeu est bien. Ah là là. Mais vraiment, la première fois, vraiment la toute première fois que j'ai joué au jeu, le premier boss qu'on a affronté, là, gigantique, le gros insecte, lui par contre, ouais, lui m'avait vraiment fait chier. Parce que lui, j'arrivais pas à le battre, il me défonçait à chaque fois. J'en avais juste marre de recommencer à chaque fois. Ah, je vous jure, c'était un calvaire. Franchement, quand je vous dis que j'ai lâché le jeu pendant 6 années, 6-7 ans, j'ai lâché le jeu. Ah non, mais je vous jure, ça m'avait gavé. Mais ça m'avait gavé d'une force. Ce boss m'avait gavé. Un truc de malade. Après, 6-7 ans après, je me suis dit, putain, c'est quand même con que je termine pas ce jeu, quoi. Je veux dire, mes cousins me l'avaient offert et tout, ça serait quand même con de pas le terminer. Je me suis remis à Evermore, et après, putain, quand j'ai enfin battu Gigantic, j'ai passé à la suite du jeu. Oh là là. Oh là là. Quand j'ai découvert vraiment la suite du jeu, et j'ai vu à quel point c'était stylé, j'ai fait, putain. Et dire que pendant 7 ans, j'ai raté ce jeu-là. Non mais c'est un truc de fou quoi, pendant 7 ans j'ai raté un des meilleurs RPG. Bon à l'époque voilà j'étais pas aussi cultivé on va dire au niveau des RPG que maintenant, mais je vous jure quand je regarde après je vois que j'ai loupé un putain d'RPG comme Evermore. Je me dis putain mais quel con quoi, c'est un truc de fou, comment j'ai pu louper un RPG comme ça, c'est juste inadmissible. Ah non je vous jure hein, je regrette mais à 200% d'avoir lâché le jeu pendant des années. Mais pendant des années je l'ai lâché hein, le jeu. Vraiment, juste à cause de ce boss de merde. Juste à cause de Gigantic j'ai lâché le boss. À cause de Gigantic j'ai lâché le jeu. C'est vraiment un truc de fou quoi. Mais bon, ça fait partie de ces choses là qui vous énervent à tel point que vous en avez marre du jeu. Bah moi c'était voilà, moi c'était Gigantic. Gigantic me faisait tellement chier que j'avais lâché le jeu pendant des années à cause de ce fils de pute. Oui, je parle mal, je sais, c'est pas grave. Donc là, on va un petit raptor, hop, qui emprunte les courants. Si vous l'avez compris, ça veut dire que nous aussi, on peut exploiter ces propres courants-là. Et c'est ce que nous allons faire. Mais je ne vais pas le faire dans cet épisode parce qu'on arrive bientôt aux 30 minutes. Normalement, avec l'outro et l'intro, bah, on y sera aux 30 minutes.
Du coup, bah moi je vais enchaîner encore un autre épisode. Bah, il faut que j'en enchaîne le plus possible avant de partir. Parce qu'après, quand je vais partir, bah, ça va être trop tard. Donc, je vous dis à la prochaine, tout le monde. J'espère que ça vous aura plu. Portez-vous bien. Et surtout, bah, geekez bien, c'est important. Allez, bye bye!